tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est avec la boutique pantsome l'unboxing du mercredi alors j'ai reçu euh, mon, euh, mon colis il y a un peu plus d'une semaine euh, presque dix jours je n'ai pas pu comme je j'ai dû vous le dire dans une précédente vidéo je n'ai pas pu faire ma vidéo avant euh, mais voilà maintenant je la fais alors j'avais choisi ah ouais je non, je me suis trompée, j'ai marqué 15 mars. Non, 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 c'est le 15 avril. <laughs> J'avais choisi le 15 avril. Et bon, là, on est quoi Le 7, euh, 7 euh, mai, donc, ça va. Alors, euh, je fais du bruit. Euh, je vais vous montrer, donc j'ai reçu deux kits de broderie. Alors, il y en a un, je me dis, mince, je n'ai pas commandé ça. Enfin, je n'ai pas demandé ça. C'est quoi, c'est quoi et en regardant mon carnet, je Ah, mais oui! Mais oui, mais oui! Alors, j'ai choisi un kit de broderie. Alors, euh, c'est un kit de broderie estampé en 18 CT. Et là-dessus, je vais vous dire quelque chose. Euh, et j'ai demandé la boîte aveugle. Alors, en broderie. Ils font également des kits de broderie, euh, des boîtes. Euh, enfin, des. Un kit que vous ne savez pas ce que vous allez recevoir et il est pas il est pas mal du tout donc euh, ça va euh, je vais me mettre face bureau pour vous montrer tout ça à tout de suite voilà alors on va commencer par le 18 ct parce que là dessus j'ai une grande information à vous donner euh, malgré que là c'est la vidéo unboxing je préfère le dire tout de suite euh, avant que... Euh, voilà, de toute façon, Pinceau de Sommué, euh, je pense qu'ils doivent être au courant, comme toutes les autres boutiques. Il euh, y a... Euh, comment elle s'appelle Alors, euh, de Laure, de la chaîne Color et Diamonds, si je ne me trompe pas, qui a fait une vidéo cette semaine. Une vidéo super importante. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de sa vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Euh... Je sais qu'elle fait des broderies en duo avec euh, Elisa, avec euh, Laurent. Bon, moi, Laurent, je ne le connais pas particulièrement, mais j'entends souvent parler de lui. Euh, voilà. Et ils se sont aperçus qu'il y a un gros, gros, gros souci sur les broderies estampées 16 CT et 18 CT. Euh, ben, elles sont... Euh, vous savez que quand on a terminé de laver une broderie, on doit la laver pour enlever toute l'impression de la broderie. Euh, et bien, il y a un gros souci sur ces deux tailles-là c'est le 16CT et le 18CT c'est que l'impression ne part pas. Voilà. Euh, je sais que donc Laurent euh, a eu le tour avec une broderie euh, le trempage a duré plus de 10 heures. Euh, euh, il a. Euh, il a tout essayé et c'est parti un tout petit peu, mais l'impression reste. Euh... Euh, Laure, donc dans sa vidéo. Excusez-moi, il y a eu une coupure, mais euh, j'avais un appel euh, urgent sur mon téléphone. Je ne pouvais pas faire autrement que de répondre. Donc j'étais en train de vous dire que Laure, dans sa vidéo, elle a euh, fait le test. Elle a filmé euh, donc avec une broderie qu'elle avait euh, choisie. Donc, je crois que c'est une 18CT. C'était celle avec des petites euh, chouettes ou je ne sais plus. Enfin, soit, ce n'est pas l'important. Et elle a fait l'essai euh, de le tremper dans, dans une bassine, dans l'eau. Euh, elle a laissé un certain temps. Elle l'a refilmé pour montrer. Alors, c'était légèrement parti. Elle a relaissé, elle a retrempé, bon, ça, ça partait toujours pas. Et pourtant, en plus, elle frottait, elle frottait, elle frottait comme ça, pas un moyen que ça parte. Elle a essayé avec de la lessive, elle a mis aussi un autre produit, euh, je ne sais plus, du hasse, enfin, <laughs> je ne sais plus quoi. Pareil, elle a laissé un certain temps, ça, ça n'est pas parti, ça, ça s'atténue, mais ça ne partait pas. Euh, et elle a euh, même essayé à la fin, elle voulait arrêter, et puis elle a quand même fait avec du javel. Donc là, elle n'était pas brodée, hein, mais c'était une toile vierge, juste imprimée. Elle a même mis du javel, même avec le javel, ça ne part pas. Même en frottant comme ça, comme une malade, <laughs> euh, ça partait pas. Et comme elle dit dans sa vidéo, elle dit vous euh, de et moi, je vous le dis, vous vous rendez compte que si vous allez passer des heures sur la broderie, euh, et puis après, une fois terminée, vous allez la mettre à tremper, puis que ça part pas, vous n'allez pas pouvoir non plus frotter comme ça euh, votre broderie. Euh, voilà. Alors malheureusement aujourd'hui, euh, je vous présente une broderie 18 ct. Euh, J'en suis vraiment désolée. Euh, de toute façon, je vais, je vais en parler avec la boutique. Euh, mais il y a, y a donc il y a un souci alors comme Laure dit et le souci ça ne doit pas être euh, au niveau de l'impression c'est euh, ça doit être au niveau de la toile parce que c'est vrai que les toiles euh, elles n'ont pas de, euh, on dirait qu'il y a un, comme un petit film dessus voilà ça fait pas euh, 100% coton c'est pas ça fait pas une toile 100% coton donc euh, voilà alors malheureusement je vous dis euh, alors là ce qui va c'est que bah du coup la toile euh, parce qu'en plus moi le dessin là me plaisait beaucoup euh, on n'est pas obligé de, de broder sur cette toile là hein. si vous savez faire du point compté bah écoutez on a les fils on a le patron je vais vous montrer tout ça en détail et on reprend une toile Aida ou une toile étamine, ou du lin, enfin ce que vous préférez, et on le rebrode dessus. Voilà. Donc c'est pas perdu. Le, le kit ici n'est pas perdu, mais euh, ce serait vraiment dommage de broder directement sur cette toile et que vous ne saviez pas la laver après. Voilà. Euh, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc je vais vous mettre le lien de la vidéo. Alors je la mettrai peut-être dans le i oui, » si j'oublie pas. Et je vous la mettrai en barre d'infos également. Euh, N'hésitez pas à aller voir sa vidéo, euh, vraiment très très intéressante et très importante à regarder euh, parce que là, bah, du coup il y, y a un souci. Alors moi le problème que j'ai, c'est que vous savez, j'avais euh, lors d'un partenariat pris euh, la grande broderie Disney. Celle où il y a Bambi, Blanche-Neige, euh, bon, enfin il y a tous les personnages de Disney, la très très grande, ben, du coup je ne vais pas la faire, non Parce que toutes les personnes qui ont commencé cette broderie-là, euh, ben, elles vont avoir un souci au lavage. Euh, les personnes vont passer des heures et des heures et des heures et des heures à broder cette broderie, euh, cette broderie oui ce, ce kit et pour un résultat que vous ne pourrez pas la laver. Enfin, vous pourrez la laver, mais ça va rester euh, imprimé euh, quand même. Voilà. Alors du coup, bah, la Disney, euh, moi je ne vais pas la broder, ou je la ferai peut-être un jour, mais sur une toile vierge, je verrai, il faut que je, je revoie que si le patron était assez clair ou pas, euh, mais euh, du coup, je ne, la, je ne la broderai pas comme je l'ai reçu en estampé, voilà. Je referme les parenthèses, mais elles étaient très importantes euh, à mes yeux. C'était très important que je le que je vous le dise. Alors, ce qui m'embête le, le plus, euh, c'est que dans mes alors là, je dois, ouais, là, je vais recevoir un CCT. Euh, là, non, ça n'est pas là. Non, ça n'est pas non plus. Euh, là non plus, non, après ça va. Je dois recevoir encore une 16 CT. Celle-là, c'est fait. Ouais, donc je, ouais, je dois encore recevoir une 16 CT. Mais ce sera une qui aura le même problème. Voilà, mais bon. Euh, mais je, vous présente, je vais quand même vous présenter le kit hein, parce que je vous dis, vous pouvez le broder en point compté sur une autre toile. Du coup, pas sur celle-là, mais sur une autre toile. Voilà. Allez, euh, ce petit, euh, cette petite mise au point faite et qui était importante, euh, je vous présente maintenant les kits. Alors, avec celui-ci, on a donc le petit toolkit. Voilà, le petit pompon avec les cinq aiguilles. L'anneau métal qui ne sert à rien. <laughs> et l'enfile-aiguille. Celui-là est top. Alors, j'avais déjà dit les enfile-aiguilles. Euh, ah non, j'en avais parlé sur mon groupe. Vous avez les enfile-aiguilles comme ceci avec un trou. Et vous en avez avec deux trous. les deux Quand il y a deux trous, c'est pour les kits qui, ont, qui font du 11 CT. Voilà. Pour le, le 14 CT, 16, 18, euh, etc., c'est avec un trou. Euh, si vous vous demandez pourquoi, ben, si vous avez les deux à la maison, regardez bien, y en, le deux trous est beaucoup plus épais que celui-là, et du coup, il ne rentre pas dans les aiguilles euh, pour broder le 14CT, le 16CT et le 18CT. Voilà. Donc, petit aparté également. Alors, on a ici ben, l'affiche. <laughs> Euh, qui nous explique comment laver la toile, hein, mais bon, euh, ce n'est pas d'actualité là, malheureusement. Euh, ça vous explique également comment broder, comment euh, faire avec vos fils, etc. On va avoir un patron. Alors, hop. Euh, du coup, attendez, je vous montre d'abord le dessin. Voilà, alors, est-ce que vous allez bien le voir? Voilà. Les hortensias, ils sont très joli. J'aime beaucoup les hortensias. Malheureusement, j'en ai planté un l'année dernière dans mon jardin. Un hortensia, est grimpant, mais il n'a pas fait. Et il est mort. J'ai plein d'arbres, d'arbustes qui sont morts. Je ne sais pas ce qu'il y a eu dans le jardin, mais bon, c'est pas grave. Alors, voilà le patron. Hop, je vous donc, tout le fond. Alors, pour celui-ci, le fond va être à faire en 38-65. Donc, c'est le, euh, le blanc cassé. Mais vous n'êtes pas obligé de faire le fond. Voilà. Vous reprenez une toile blanche, par exemple, ou une toile blanc cassé, Et vous ne faites que les, que les dessins. Voilà. C'est tout aussi bien. C'est quand même confetti, voilà. C'est quand même confetti. Euh, bon, c'est là, le patron est lisible, hein, mais euh, c'est confetti, confetti quand même. Hein. Alors, je vous montre. Hop, voilà. On a des petits blocs quand même dans la fleur, mais voyez, c'est quand même. Euh, alors. Voyez ici, mais c'est bien imprimé, hein? voilà. Euh, Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça, je vous dis, si vous pouvez faire du point compté, bah, vous le refaites en point compté. Voilà. c'est très bien imprimé. Donc, ça, c'est le patron. Et alors, la taille, là, pour le, le 18CT, la taille, c'est 40 sur 55 en toile complète. Je vais vous donner quand même la taille du dessin. Euh, donc, là, 18CT. Et on a euh, combien 40 couleurs. Voilà. Donc, ici, c'est les numéros sur les, le trieur de fil. Hop. Attendez, je vous zoome comme ça, vous verrez bien. Là, au milieu, c'est la légende qui est sur le patron. Et ici, ce sont les références DMC. Voilà. Je vous montre les symboles que l'on va avoir. Voilà. Donc, 40 couleurs. Alors je vous montre bien sûr la toile hein, quand même, mais on, on le sent. Hein. C est, c est, pourtant c'est plus souple, mais on sent qu'il y, qu y a quelque chose euh, qui ne va pas, enfin qui n'est pas comme d'habitude. Alors sinon niveau impression, bah, elle, est, elle est très bien imprimée. Là-dessus il y a pareil, il y a pas de souci. Euh, je vous montre là. Alors. Je vais l'appliquer, c'est pour qu'on voit mieux. Et vous voyez, alors là, par contre. Alors, j'ai dit, c'est bien imprimé, mais à certains endroits. Parce que là, il euh, faut être fortiche hein, quand même. Là, j'ai zoomé. Hein. J'ai zoomé. Il y a le flash. Waouh Waouh, waouh, waouh Heureusement qu'il y a le patron papier. Hein. Non, il faut que, franchement, euh, les 18 CT, surtout les 16 CT également, parce que. Mais les 18 CT, arrêtez de les faire en estampé. Arrêtez de les faire en estampé. Euh, parce que même avec une loupe, de toute façon, euh, c'est compliqué. Euh, là, vous avez vu, j'ai mis. J'ai mis le zoom, j'ai mis le flash. C'est, euh, on n'arrive pas à, à bien voir. Bon, là, d'accord. Enfin, d'accord. Je vous remets, hop, je vous zoom. Oui, là, on voit un peu mieux. Mais regardez là, le le bleu ciel et le le rose, le parme clair. Euh, Non. non. Le 18CT n'est pas fait pour être en estampé. Euh, et puis au moins, même si vous voulez garder cette toile-là, euh, bon, ce n'est pas la boutique hein, qui est responsable, c'est les usines qui les fabriquent, les ateliers qui fabriquent. Euh, même s'ils veulent garder cette toile-là, faites-le tout blanc, en point compté. Parce que là, <coughs> euh, ça va être euh, un gâchis. Ça va être un gâchis et puis comme on n'arrive pas à le, à le laver euh, voilà allez je vous montre les fils parce que bah ça les fils ils sont bien ils sont très jolis même Hop, désolé pour le bruit alors là bah, ça c'est pour le fond il y en a. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 blancs cassés. Donc c'est le 38, 65. Il y a 40 fils, vous voyez, 40 fils sur chaque tresse. Et chaque fil a bien sûr 6 brins. Voilà. Vous voyez, ils sont jolis, hein, les fils. Sont bien brillants, bien souples, ça là-dessus, on n'a jamais de problème. On a hop là, deux roses. Alors, est-ce que si j'enlève le flash, vous verrez peut-être mieux la couleur? Oh, c'est compliqué! Non, c'est bon, on va remettre le flash. Donc, c'est du rose, euh, on va dire rose layette. Voilà, là, vous le voyez presque blanc. Euh, là, alors ça a deux, deux bleus différents, ça je pense. Ça, c'est le 809. Oui, là, on a deux bleus différents, mais pas ils sont pas loin, hein. presque pareil. Et ici, là, c'est deux échevettes d'un bleu plus clair, Enfin, tresse. Je ne sais pas des échevettes, ça. Allez, hop, hop, hop. Alors, voilà les couleurs. Ça, c'est la deuxième plaquette. Et celle-ci. Alors, ce... vous voyez, c'est dommage pour la toile, hein, parce que les couleurs sont magnifiques. Mais alors, elles sont vraiment très, très belles. Vous voyez. Vraiment de très jolies couleurs. Voilà. Joli vert pâle, presque jaune clair et un bleu roi. Voilà, niveau des couleurs, c'est euh, top. Niveau des fils, c'est top. Niveau du patron, ça va. Niveau toile, ça a pu. <laughs> Mais bon, j'espère qu'ils vont trouver une solution. Parce que de toute façon, euh, ils vont perdre des ventes. Hein. Là, malheureusement, euh, ils vont perdre des ventes. Parce que broder sur des toiles que l'on ne peut pas laver, ben plus personne ne va en acheter. Hein. Voilà. Alors, cette toile, euh, je vous donne quand même son prix. Donc, c'est une 40-55 euh, qui fait en taille réelle 47 sur 32. Et elle était au prix, hop, désolé, de 13,99$. Voilà. Bon, je m'arrangerai après. Et donc, j'ai demandé une boîte aveugle, qu'ils appellent ça. Donc, c'est un kit. Euh, je ne savais pas ce que j'allais recevoir. Euh, je ne suis pas déçue. Il est très beau. Alors, et il n'est pas petit. C'est ça le en plus. Bon, attends, je le déballe. Hop. Il n'est pas du tout petit. C'est du 11CT. Euh, alors, je cherche le dessin. Voilà, il est là. C'est du 11CT. On a le petit toolkit, comme d'habitude. Le pompon avec les aiguilles, l'enfile aiguille. Et le petit anneau en métal qui ne sert à rien. Et voilà le dessin que l'on a. Alors, il y a combien de couleurs 48 couleurs. Et voilà donc le dessin. Regardez-moi ça. C'est joli, hein Et en plus, ça tombe bien, c'est le mois de juin. Alors, on s'était 50 sur 100 cm. Vous voyez, c'est ce pas du tout un petit 191 points sur 407. Voilà, mais euh, je trouve le dessin vraiment magnifique pour un kit dans euh, un kit mystère. Voilà, euh, il est vraiment très très beau. Alors, le patron, je vous remonte parce que je sens que le patron va être grand. oui c'est bon je ne je vais même pas pouvoir vous le montrer en un seul morceau voilà on voit bien le personnage ici le, le rond qui est autour d'elle avec les roses voilà Hop. ici on voit bien il y a ses jambes. Et ici, bon, alors là, c'est confetti, hein, par contre. Euh, bon, là aussi, hein, il y a du confetti, mais là, il y a beaucoup de confetti. C'est là où il y a toutes les fleurs, toutes les roses. Là, c'est le mot, John. Ouais. Alors, euh... ah oui, d'accord, j'allais dire. C'est bizarre parce que là c'est des blocs mais oui c'est ça je vous montre voilà tout ce qui est bleu là c'est ça ici c'est ce qui est rose euh, ici voilà alors on va regarder de plus près le patron très bien imprimé hein. ça c'est là dessus il n'y a pas de problème alors, ça vient de la compagnie sans nom et voilà la légende. Donc on retrouve le petit dessin en haut. Là, ce sont les couleurs approximatives, hein, les numéros qu'il y a sur les trieurs de fil, la légende que l'on retrouve sur le papier et sur la toile, et les références DMC. Voilà, je vous montre la légende, enfin les symboles. Voilà, donc 48 couleurs, on a une toile, ben alors là, c'est une toile 11 CT. Hein. Alors, je vais vous dézoomer pour l'instant. C'est bien sûr une toile 11 CT, mais alors, waouh, wow ah, elle est grande. Alors, je vais la mettre en travers. Ah, ouais, elle est grande. Alors, j'essaye, je vais vous montrer ça. Hop. Vous avez vu comment elle est grande Elle est immense. Euh... Alors, je vais la plier en deux parce que moi, je, peux, je ne saurais pas faire mieux. Elle est très, très bien imprimée. Voilà. Alors, je vous montre. Et niveau impression, il n'y a pas de souci. C'est très clair, bien imprimé, bien coloré. Même quand c'est confetti, euh, bah, y a pas, on voit bien la différence hein, des, des symboles. Hop. Alors, on va regarder là où il y a les fleurs. Vous voyez, là, c'est confetti. Hein. Mais bon. Non, très très bien. Et belle surprise également euh, pour un, un kit mystère. Alors, au niveau des fils, il bah, y a ce qu'il faut. Hein. Et on va voir ce qu'il faut au niveau, au niveau des fils. Ah alors, désolé pour le bruit, mais alors là, on va d'abord avoir les échevettes. Alors, ça va être pour le fond, je vous montre. Alors, cette couleur-là, ça va être pour ici. Et on en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On a 18 échevettes 967. Voilà. C'est un rose saumon. Ensuite, alors on a beaucoup de presses. Alors on a différents... Je vais essayer de zoomer pour que vous voyez mieux. Voilà. Différents marrons. Oh, Celle-là, elle s'enlève. tous les marrons. Voilà. Et là, on a deux roses comme ceci. Et. Euh, comment on appelle ça Lit de vin, je crois. Ou. Et vous voyez, c'est très très joli. Pas déçu du tout. Alors, hop. hop. Allez, je vous montre la suite des fils. Voilà, sur la première plaquette, ou plutôt deuxième des jolies couleurs pétantes et moi ça gardez moi ça comme c'est joli Oh, les beaux beau celui-là celui-là aussi le rose là il est beau aussi Elles sont toutes très jolies Regardez. Là, presque on dirait un doré on est ça les verts ici très très joli alors bah du coup euh, en plus c'est il est pour rien ce kit euh, parce que alors hop mets toi là J'essaie de rembobiner mes fils euh, ce kit euh, mystère alors je vous rappelle, c'est un 50 cm sur 1 mètre en taille euh, complète. Donc vous enlevez à peu près 5 cm euh, de chaque côté. Euh, en 11CT avec 48 couleurs, il est à 5,99$. Il est pour rien. Euh, quand vous voyez toutes les couleurs, tous les fils vous avez... Oh, pardon, n'ai oublié de vous dézoomer. Tous les fils que vous avez avec, la taille du kit, euh, ben, le truc est pour rien. 5 dollars euh, Bon, si vous le commandez, vous n'aurez peut-être pas celui-là, hein, puisque c'est une... un mystère, c'est un kit mystère. Donc, euh, je ne sais pas ce que vous allez recevoir si vous le commandez. Mais pour 5 dollars euh, jouez le jeu. Allez-y euh ce que vous allez recevoir et j'espère pour vous que vous en recevrez un aussi beau parce que je le trouve vraiment magnifique voilà euh, bon euh, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu je vais vous mets en barre d'infos les liens utiles et nécessaires je ne sais plus si avec Pinceau j'ai un code promo mais si j'en ai un je vous le rajoute euh, donc je vous mets quand même le lien bien sûr de du kit 18 ct euh, mais si vous en avez en ce moment des 18 et des 16 CT ou que vous êtes en train d'en broder, euh, alors je vous conseille d'essayer de, sur un coin de votre euh, bon là je vais prendre la 11 CT hein, par exemple sur un coin de votre kit, par exemple le chiffre ici, prenez un, un coton-tige mouillé et euh, frottez. Voilà, ou même sur l'image, pourquoi pas, hein, puisque l'image, justement, il y a plusieurs couleurs. Et frottez avec un coton-tige mouillé. Si ça part direct, eh ben tant mieux, allez-y, brodez. Mais si ça part pas, je vous conseille, stoppez tout, euh, parce que vous allez passer un temps fou à broder votre ouvrage et pour, euh, et puis vous allez le foutre à la poubelle. Voilà. Donc faites l'essai avec un coton-tige et de l'eau. Et euh, sur l'image, par exemple, qui est ici, ou alors, bon, non, pas la légende, mais sur les plutôt sur l'image, euh, voyez si ça part. Si ça part pas, vous stoppez tout. Et toutes celles, euh, je m'adresse à toutes celles qui ont le kit euh, Disney, le très grand kit Disney, faites tout de suite l'essai avec le coton-tige. Euh, parce que si ça part pas, euh, là, ça... Vous allez être déçu, mais... Euh, vous allez être déçus. voilà. Euh, donc, euh, ben moi, après toutes ces belles paroles qui, j'espère, euh, vous auront intéressé, euh, et puis que le, le kit que je vous ai montré, ben, vous, plaît, vous plaise, <coughs> je dis, 18-7, vous pouvez vous l'acheter quand même, hein, mais dans ce cas-là, faites-le en point compté sur une autre toile. Vous allez récupérer les fils. Passons pour 13 euros. Euh, vu le nombre de fils qu'il y a, vous n'êtes pas perdant quand même. Hein. Donc, euh, voilà. Je vous fais à tous des gros bisous. Moi, en attendant, je remercie beaucoup la boutique Pansomoué. Toujours très heureuse de présenter des articles de chez eux. Et en attendant, moi, je vous fais à tous de gros bisous. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Et Fifi sera là la prochaine fois. Vous inquiétez pas, elle faisait dodo. À bientôt, bisous bisous.